Partagez une directe, pourquoi on n'est même pas 1000 personnes? On est dimanche quand même, les Pouguachari. Hein? Je ne vous sens pas. Les Pouguachari, je ne vous sens plus. Partagez le direct, on va avancer dans la paix du Seigneur. Partagez le direct, je vais vous expliquer un peu comment j'ai souffert au château là-bas. Comment est-ce que j'ai souffert? C'est-à-dire que... On peut faire ça. Couper tête pour jeter. Couper tête pour jeter, c'est pas l'homme ça. Couper tête pour jeter n'est pas, c'est pas quelqu'un. C'est-à-dire que... Partager, partager. Quoi y a, d'après chose, quoi y a partagé qu'à cœur blanc, qu'à cœur pompé. Quoi y a partagé qu'à cœur pompé. Voilà, avec cœur ni pouce pompé bien. Comme ça, on va s'expliquer dans la paix du Seigneur. Je vais vous expliquer un peu ma mésaventure du château. Franchement, avant de commencer, je tiens d'abord à dire merci à ce grand homme. Oui, ce monsieur-là, John Chahin Sombo, monsieur le maire d'Akoupé, qui nous a fait confiance. Oui, oui. Qui nous a fait confiance. Malgré tout ce que les gens disent de nous, malgré tout ce que les gens pensent de nous, malgré le fait que nous-mêmes nous avons sali nos images. Chacun de nous a sali son image à sa façon. Malgré tout, ce grand monsieur-là, c'est dit, voici des jeunes frères qui ont un potentiel à développer, qui ont du talent, mais qui ne s'en servent pas à bon escient. Donc je vais les réunir pour essayer de trouver en chacun d'eux ce que chacun sait faire. Et puis comme ça, on va évoluer. Merci beaucoup, beauté pimentée. T'inquiète, je fais attention à la route. Je vais voir en chacun d'eux ce que chacun sait faire. Et puis... on va travailler ensemble. Et puis ce monsieur-là a pris son courage à deux mains. Sa femme lui a dit, chérie, où tu t'en vas là? Ceux que tu t'en vas réunis dans la même maison là, ce sont des animaux sans queue. Ceux que tu es en train d'aller appeler pour réunir dans la même maison, ce sont des animaux sans queue, papa. Donc là, moi je les suis. C'est tous des sauvages. Donc tu vas aller les mettre dans la même maison là. En tout cas, sauf si Dieu est avec toi. Sinon, soit ils vont placer leur caméra pour t'insulter. Soit certaines vont mentir sur toi comme quoi tu as fait chat noir sur elle. Soit, en tout cas, eux là, ils disent que je prends le risque. Je prends le risque d'aider mes petits frères. Parce qu'ils ont quelque chose. Qui n'exploite pas, je vais les aider à exploiter ça sur quelque chose là. Quand ils seront concentrés sur des tournages en train de se servir de leur talent, ils ne seront plus assis sur Facebook en train de s'insulter ou bien en train de dire mettez le cœur, partagez le direct, mettez le pouce bleu qui a mis tête de mort. Donc vraiment, je vais tenter le coup. Et c'est ainsi qu'il est rentré en contact avec certains blogueurs pour pouvoir nous contacter, nous tous, parce qu'il ne nous connaissait pas. Lui ne nous connaissait pas en vrai, c'est sa femme qui nous suit en fait. Donc il dit qu'il était là comme ça et un jour avec sa femme, et puis elle suivait un direct de couper tête pour jeter. Et puis il a vu, elle était dans son direct, elle disait qu'elle parlait de télé-réalité justement. De télé-réalité et tout. Donc il a dit tiens, ça tombe bien, vu que c'est moi qui fais les télé-réalités en Côte d'Ivoire, c'est moi qui fais Star Tonnerre et tout ça, je vais essayer de réunir les blogueurs qui sont en Europe et puis essayer de faire quelque chose avec eux aussi, voir ce que ça va donner. Les gens l'ont découragé partout. Tous ceux à qui il a parlé du projet, ils ont dit hey, ceux-là, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman, mais ils sont comme piment. De toute façon, piment n'a pas papa, piment n'a pas maman, mais tu peux pas t'amuser à mettre dans ta bouche, parce que ça va enlever dans tes yeux.
C'est la même chose comme ça, ceux-là, ils sont. Donc, laisse-les où ils sont dans leur game. Il dit non, ce game-là n'est pas le bon game. Ce game-là, peut-être qu'ils pensent que c'est tout qui est là, alors qu'ils ne savent pas que derrière un village, il y a un autre village. Ils pensent que c'est leur game-là qui est important. Pourtant, derrière leur game-là, il y a quelque chose de très profond qu'ils peuvent développer et puis mettre ça, c'est-à-dire que s'en servir, mettre ça à leur avantage. Donc, il nous a réunis, nous tous, dans le château. Et puis, chacun a montré de quoi il est capable en sauvagerie. Chacun a montré ce qu'il sait faire sauvagement. Quand je vous dis sauvagement, c'est sauvagement. Chacun veut être maître. Chacun dit que c'est lui qui commande dans le château. Quand on donne épreuve à quelqu'un, chacun ne veut pas faire. Quand quelqu'un dit, mais Palab se lève. Matin, petit déjeuner, on doit séparer 4 palabres d'abord avant de commencer un tournage. Le soir au dîner, on doit séparer 2 palabres avant d'aller dormir, ou bien même pas. Tellement on va séparer palabres là, on va être obligé de tourner la nuit jusqu'à matin. À 5h, 6h, quand tu vas te coucher, par exemple, vous avez fini de tourner. À 8h, 8h30, caméraman vient s'arrêter dans tes narines avec sa caméra. Caméraman est dans tes poils. Non, ils nous ont fatigués. Oui, je suis encore fatigué. Ben, je n'ai pas l'habitude de ne pas dormir la nuit. Alors que nous sommes restés au moins 3 jours comme ça sans dormir la nuit. Hein. On ne dort pas la nuit, dans la journée aussi, on ne dort pas bien. Parce qu'on doit tourner. Donc on ne dort pas bien. Et la nuit, à force de séparer palabres dans la journée, il y a des épreuves qu'on n'arrive pas à faire. Donc on fait ça toute la nuit. Attends, on était 11. Nous étions 11. Donc ce n'était pas facile, ni pour nous, ni pour le réalisateur, ni pour les caméramans, ni pour personne. Même les poules qui étaient dans le château là-bas, on prédira que nous sommes passés là-bas. Même les poules ont compris que les sauvages sont arrivés maintenant. Dans ce château là. Donc Dieu merci, on a réussi à faire ce qu'il y avait à faire. Et puis voilà, le monsieur a pris le risque, a pris le courage, son courage à deux mains. En même temps, étudier le comportement de chacun d'entre nous. Il a étudié le comportement de chacun d'entre nous. Et il s'est dit, à la fin de cette télé-réalité, nous allons enchaîner en même temps avec une série de 26 épisodes qui va s'appeler la saga des influenceurs. Voilà. Donc, parmi tous les 11 que nous étions, il en a retenu 5. Je suis fatigué, vous voyez, je suis très fatigué où je suis là. Tout mon corps me fait mal. Ce n'est pas parce que je m'ai signé un contrat pour jouer dans le film là. Il ne sort pas de chez moi aujourd'hui, je ne travaille pas aujourd'hui. Je n'allais pas sortir de chez moi et rester couché dans la paix du Seigneur. Oui, ben j'ai besoin de me reposer. Mais malheureusement, on doit se réunir à son hôtel pour le contrat de la saga des influenceurs. Donc, on s'en va là-bas comme ça. Chacun va aller discuter son cachet dans la paix du Seigneur, signer son contrat dans la paix du Seigneur. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on commence aussi le tournage de la saga des influenceurs. Voilà. Donc, vous allez nous voir rarement maintenant en direct, en train de vous demander de nous mettre des cœurs et tout ça, parce qu'on sera très occupé. Et c'est le but. C'est le but. C'était son but. C'était le but de ce monsieur-là, John Chahin Sombo, qui est venu nous donner notre chance de sortir de la médiocrité. Ce que beaucoup de personnalités du pays n'ont pas osé faire. Non pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, mais ils n'ont pas eu la gnaque que ce monsieur-là a eu. Donc vraiment, mettez des cœurs pour ce grand homme, ce John Chahin Sombo. Voilà. Adjudant chef
m'aide à couper. Très grand réalisateur en Côte d'Ivoire. Tout le monde le connaît. Quand on parle de Star Tonnerre, tout le monde sait qui est le propriétaire de Star Tonnerre. Voilà. C'est John Chahin Song. En tout cas, moi, je profite de ce live pour lui dire un très grand merci. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'être venu. Voilà. Nous aider à sortir de la médiocrité, parce que nous on pensait qu'on était dans tout, nous on pensait que ces films ont tourné comme ça, pourtant vrai film là c'est maintenant on s'en est tourné, où tu es là, on dit action, on dit ça tourne, action et tout, et puis pam 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 pam, et puis tu joues ton rôle, après on dit couper, c'est là-bas même on s'en est tourné film là. Et puis on prend la partie qui est bien, on te dit de reprendre une autre partie où tu n'as pas bien fait, jusqu'à ce qu'on trouve le bon scénario. Donc nous avons été 5 à avoir été retenus pour jouer dans la saga des influenceurs, dont moi. Je vous ai toujours dit que je suis toujours premier partout où je passe. Je suis premier, toujours premier de la classe. Je ne suis jamais parmi les derniers. C'est de ça qu'il s'agit. Partout où je passe. Il est premier de la classe. Puis là, voici, il commence à chanter tout de suite là. Il fait partie des 5 premiers, des 5 vrais chanteurs qui vont être toujours sollicités pour des spectacles à gauche et à droite. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis jamais dernier qui va. Donc voilà un peu les Boubacar. Et bon dimanche à toi aussi, ma chérie. Ton nom est très vite passé. Donc voilà un peu. On va devenir vrai acteur maintenant. D'accord. Les gens aiment tellement venir avec leurs histoires. Moi, qu'est-ce que vous venez avec des histoires que je suis en train de parler de mon histoire, vous m'envoyez d'autres. Je ne vous comprends pas. Anyway. Donc, les bâtards, ensemble, on va dire merci à John Chahin Sombo de nous avoir donné notre chance. Et les 4 autres, ben, ils vont se déclarer. Là, on a rendez-vous, là, ça va être une surprise. Voilà, on a rendez-vous comme ça, là. Et je suis en retard, même, Seigneur. On avait rendez-vous à 16h, il est 16h10. Bon, je sais que jusqu'à 16h30, c'est là que d'autres vont arriver à leur talon. S'il y a des filles dedans, forcément, il y aura des filles dedans, donc... En tout cas, les 4 autres, on va se connaître nous tous tout à l'heure. Moi, je viens de déclarer pour moi. Donc, s'ils sont sur mon direct, ils sauront que je fais partie des 5 qui ont été sélectionnés. Donc, c'est une surprise. Ça va être une surprise, comme il me l'a dit. Moi, j'en fais partie. Et les 4 autres, je vais les connaître tout à l'heure au rendez-vous à son hôtel. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Suzanne Amien. Merci, 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 merci. Fréon est doudé. Hey, que Dieu bénisse celui qui a créé Fréon là. Hein? Oh, je ne sais pas comment on allait faire. Folie allait nous prendre. Là, comment il fait chaud. Alors, Kaina, il fait 28 degrés. C'est quel bouchon ça. Donc, je disais que merci beaucoup, Delia. Merci. Oui, dès que j'ai fini mon rendez-vous, là, je rentre tout à l'heure, là, je vais me reposer. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour faire quoi que ce soit dehors à l'air. Je vais mettre ma clim dans la paix du Seigneur dans ma chambre, je me couche au calme. Au calme, devant un petit film sur Netflix. Ça va me remettre d'aplomb. Oui, mon esprit est déjà libéré. Où es-tu là? Ce que j'ai vu là-bas, les Amazones et puis les je sais pas comment ils ont appelé les autres là. Palab Nyanga. Palab sur Palab. Non, ça se bat ici, ça se bat là-bas. Les filles se battent, les garçons se battent. Tu sais pas, Palab, jusqu'à tes épaules te font mal. On peut faire ça? Tu sais pas, Palab, jusqu'à tu as l'impression que... Non. Pendant que tu es en bas, quelque part là-bas, là, vers la piscine, en train de séparer deux gars bien lourds qui sont en train de se battre,
Il y a deux filles qui sont en train de se tirer les seins de l'autre côté là-bas. On peut faire ça. Nous sommes partis. Facebook, là, il y a vraiment la sorcellerie dessus. Nous sommes partis faire une épreuve quelque part au bord d'une eau quelque part là-bas. À notre retour, là, il y a Ibu qui est venu en vitesse. Digba Ibu, comme ça, qui est venu en vitesse sur l'une des voitures. Là. Ibu est venu tomber sur le pare-brise de la voiture. Là. Boum! Ibu, on peut faire ça? Bon dimanche à toi, Sita Doumbia. Sorcellerie qui est sur Facebook, là, c'est trop. Depuis Ibu est tombé sur la voiture, là, Palab ne s'est pas arrêté au château là-bas. Les gens se sont battus. Battus, jusqu'à blesser même. Chanel T a pris un gros bleu sur son visage. Le père a pris coup de je ne sais quoi dans son dos là-bas, quelque part là-bas. Ils sont allés souder ça. Affaire de police et gendarmerie. On n'a pas dit gendarmerie, mais quoi. Ah! En tout cas, ça a été une très bonne expérience. Moi, en tout cas, je remercie infiniment ce monsieur-là de nous avoir permis de vivre cette expérience-là. Au moins, on a compris que, voilà, à part notre salon, là, il y a d'autres salons. Voilà, il y a d'autres salons et que on peut faire autre chose que de rester cloîtré chez nous. Que de rester cloîtré chez nous à se clasher. On peut faire autre chose. Voilà, on s'est réunis là-bas. C'était très, 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 très. C'était une très bonne aventure, en tout cas pour moi. Ça a été une belle aventure. Dans la mesure où personne ne m'a bagarré. Dans la mesure où personne ne m'a bagarré. Moi, je ne suis pas un bagarreur. Moi, je suis un joko. Moi, je ne bagarre pas, mais ils m'ont mis dans le fait de séparer Palab. Hey, ton Giovanni n'est plus l'unique. Ils n'ont qu'à se muscler les deux là. Pour séparer les deux là. On dirait que. Oh non! Yeah. Heureusement qu'il y avait les gars du corps. Oh. Ton Giovanni n'est plus l'unique. On ne peut pas attraper un. On peut faire ça. Kala Okaina. Love Gugu avec. Comment il s'appelle? Slamazone. Love Gugu se bat comme garçon. Elle a Cardinal Slamazone. Le temps a réussi à enlever Cardinal là. Slamazone même a crié yes. Le temps, on va décadenasser un coup de Slamazone sous épaule de Love Gugu. Quoi, Madia? Leslie aussi, il faut la voir. Elle saute ici, elle saute là-bas. Elle saute ici, elle saute là-bas. Elle veut frapper tout le monde. Elle veut frapper tout le monde. Ah oui, le président ne se bat pas. Hein. Voilà comment il s'appelle. Jesse est en haut de tout le monde. Il pense qu'il peut frapper tout le monde. Quand on ne sait pas Palab, lui, il devait nous aider à séparer. Il vient déposer son lourd corps là dans Palab. Il veut faire Palab aussi. Ah ah! Il ne sait même pas par où il est l'attrapé. Je vais l'attraper pour l'enlever dans Palab là-haut. On dirait qu'on a mis une sub grosse barrique et puis on m'a dit d'attraper, de soulever ça. Vous savez, vous voyez les grosses barriques d'huile, les grosses barriques d'avant là. Vous voyez les grosses barriques d'huile du nord d'avant là. Faudrait que c'est huilé partout. On te dit qu'il y a huile dedans qu'il faut soulever ça. Et puis tu vas déplacer. C'est comme ça, Jesse était au milieu de nous là-bas. Il est lourd comme ça, on ne peut pas le déplacer. Il est calamment abidien. Lui aussi, il est en train de se déchaîner. Il est tout poil là pour dire qu'il veut se battre. Il dit, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Toi, tu dois être tranquille. Toi, tu dois nous aider à séparer. Et toi, si tu viens te mettre dans le palabre, là, c'est en fini aujourd'hui. Toi, tu es lourd comme ça, on dirait barrique d'huile du Nord. On ne peut même pas t'attraper. C'est même pas par où je vais l'attraper. Je mets ici, ça passe, ça marche pas. Je mets là-bas, ça passe pas. Je l'attrape pas ici, ça marche pas. Souhait. Oh, c'était pas facile, hein? C'était pas facile du tout, mais bon. Hey, quel embouteillage sur les ont créés ici, attends. Je vais passer par ici, là. Oh, il est très vite, il est déjà 16 heures passées.
tu l'attrapes, comment ça marche pas? C'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire le tour. C'est-à-dire que tu veux l'attraper pour faire le tour, pour bien le sri là. Tu ne peux pas faire le tour, hein. Tellement il est Dumba. Ah, c'était pas facile d'être. Mais comme Dieu est Dieu, il les a bien insultés là-bas, tous. Il dit, c'est une bande de sauvages. Sauvagerie, Nyamko, quand même, est étonné. On peut être sauvage comme ça. Oh. On peut sortir de chez soi, venir dans le château des gens pour venir être barbare. C'est-à-dire que la barbarie à outrance. Personne ne veut laisser. Chanel Thierry se lève matin pendant qu'on entrait et fait petit déjeuner. Elle monte pour s'arrêter au milieu de la table. Elle dit, elle va frapper Aya. Aya aussi soulève la table et elle pour dire qu'on va les ramasser à terre. Kala ou Kaina. Chanel Thierry a arrêté au milieu de la table et petit déjeuner. C'est-à-dire que petit déjeuner est là, Chanel Thierry aussi est là. On ne sait pas si on va la confondre avec croissant. Ou bien sûr, on la confond avec pain omelette. Elle est au milieu. Ils nous ont fatigués. Hein? Ils nous ont bien fatigués même. Mais bon, c'est Dieu qui est fort. D'accord, les Kouachari. Je suis en train d'arriver à mon lieu de rendez-vous. Yaka, tu es en train de quoi? Que quoi? Yaka, tu es en train de son nom. Elle t'a surnommé hier. Qui m'a surnommé hier? Mon cher, moi, on m'a toujours surnommé où? Donc, ça ne me surprend pas. Si ce n'est pas par talon, c'est par Kojo. Si ce n'est pas par Kojo, c'est chat noir. Si ce n'est pas chat noir, c'est chose. Donc, sinon, là, c'est pas nouveau. C'est soit c'est par talon, soit c'est par Kojo. Soit c'est anus ouvert, soit c'est chose. Chaka, je ne suis pas choqué. Je ne sais pas si ma grande soeur est sur mon direct, mais attendez, j'ai une grande soeur qui essaie de m'appeler. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Du coup, voilà. J'ai reçu un appel urgent. Du coup, je vais couper le direct. Et puis, on se rejoint peut-être tout à l'heure, les Pacari. Parce qu'on m'a envoyé un message. Look, Seth, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Voilà, on m'a envoyé un message très important. Il faut que j'aille lire. J'aille écouter et puis répondre. Donc, je suis dans l'obligation de vous laisser. Et puis, on se rejoint peut-être plus tard. Bisous là-bas, plus tard.